Là où ça? En ce moment, les nuls dédicacent leur livre, loge 322. Les nuls en dédicace au 322. Non, mais c'est... Ça va être à notre tour, là. Oh là là. Bonjour, les nuls. Je peux avoir une dédicace? Oui, c'est pour qui? C'est pour Adjira Benrao. Je vais mettre Nicole, hein? Ça vous arrange, pas de problème. Génial. C'est pour qui? C'est pour moi. Pour moi. Ah non, c'est pour Alexandre. C'est pour qui? Gabrielle Azur. Comme la comédienne? Oui, comme la comédienne. Merci. Suivant. C'est pour qui? Pour Morgane. Voilà. I have a feeling those moons are totally fucked up. En direct du 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris, et en public, Les Nuls, l'émission numéro 10. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, la belle, voluptueuse, talentueuse, somptueuse, onctueuse et bilingue, celle qui va se lancer pour vous à l'assaut du pavillon, Gabriel Lazur. Et merci à vous tous de l'accueil, parce que si je devais compter sur les nuls, je pourrais attendre longtemps. Voilà, nous sommes ici ce soir en direct live pour 52 minutes passionnantes. Et nous avons comme invitée musicale Véronique Sanson, Véro, qui va nous chanter deux chansons en live avec, pour accompagnement, et c'est la première fois, le groupe de l'émission. On peut les applaudir. Pas trop quand même, hein. Bon, je vais vous dire, ce qui est formidable avec cette émission, c'est qu'il n'y a pas de promo. Moi, j'ai pas de film qui sort, Féro, elle n'a pas de concert, on est vraiment là pour le plaisir. Enfin, moi, la promo, j'aime bien, hein, c'est sympa. Faut dire que la promo, c'est toujours agréable. Gabrielle Lazur, quel est votre nouveau film? Comment ça s'est passé? Eh bien, très bien, merci. Il y avait toute une équipe extraordinaire, vraiment des gens merveilleux. Et en plus, il y avait une caméra. Quelle merveille. Et puis, alors, votre nouveau disque, oui, ben, mon nouveau disque. Alors, écoutez, je l'ai enregistré en Belgique. Ah, très bien. Alors, et votre vie privée, vous êtes toujours avec Richard Gere? Ah, ben écoutez, ça, j'aime pas trop en parler de ma vie privée, mais je peux vous dire que ça reste en entre nous, hein, off, hein. Alors donc, vous le répétez pas, en fait, je suis avec Patricia Cass. Bon, alors, pour dire que maintenant, donc, nous allons démarrer cette émission sans promo, avec, vraiment, je trouve ça formidable, parce que c'est tellement pur, c'est vraiment merveilleux, c'est rare, vous savez, hein. C'est rare de faire des choses vraiment en dehors des contraintes du pognon, des maisons de disques, tout ça, de la promotion. Là, c'est vraiment pour le plaisir.
Donc, je vous dis une chose, messieurs, n'oubliez pas vos petits numéros que vous avez reçus à l'entrée, c'est très important, parce qu'après, il y aura une tombola, un tirage au sort, et vous verrez, c'est une petite surprise. Et puis, en guise de conclusion, je voudrais vous dire le petit proverbe que si vous regardez en dessous du trou du cul de l'âne qui a bouffé de l'or, eh ben, on ne trouve pas que de la merde. Ça n'a rien à voir, mais à tout à l'heure. Vous avez vu, je vous parle tout en faisant de l'aviron. C'est balèze, non? J'ai une vie de rêve. Je fais de l'aviron, j'ai un bon boulot, j'ai une belle gueule. Et en plus, j'aime bien prendre de l'avance dans tout ce que je fais. Vous avez vu, il y a une seconde, j'étais dehors et maintenant, je suis dans les vestiaires. C'est magique, non? Je suis payé pour vous dire que le déodorant stick large Nénène, il a de l'avance. Et vous avez déjà vu un stick aussi large? Vous avez remarqué, j'ai encore changé de décor. Fou, non? En plus, le stick large Nénène est sans alcool. Et il me protège toute la journée. Je fais semblant d'écouter. Elle est suédoise. Là, en principe, le téléphone devrait sonner. Pour moi, il est très efficace. Stick large Nénène, un grand déodorant. Je dirais que le seul inconvénient, c'est de le transporter aux heures de pointe dans le métro. Faire quelque chose pour réduire les déchets dans l'environnement, rouler à la merde. Rebelle, il faut sauver la terre. T'as pas entendu quelque chose, hein? Que dalle. La terre est belle, il faut sauver la terre. T'as pas entendu ce coup-ci? Là, ce coup-ci, ouais, c'est possible. La terre est belle, il faut sauver la terre. Ben là, j'ai entendu. Moi aussi. Ça vient de par là. La terre est belle, il faut sauver la terre. Non, mais qui est con, hein? Regarde juste ce qu'on a. Eh, nous, on croyait presque que ça venait de l'espace, dis donc. Je vous ai bien eu, les gars, là. Que je vous sers. La même chose. Ouais, moi pareil, même punition. La Terre, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'était un communiqué du BCET, Bureau des conneries qu'on entend sur la Terre. Merci. On est bien, non? Je me rappelle la première fois qu'on est sortis ensemble. Tu te souviens? Au restaurant de Chaville? La Bourbonnière. Oh, on peut plus déjeuner dehors tranquille maintenant. Laisse, ça fait mal. Ça suffit maintenant! J'aime pas les mendiants! C'est pas un mendiant, c'est un artiste. C'est pareil! C'est un homme comme les autres. Un homme comme les autres? Les automates sont des hommes comme les autres. Visez les couilles. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Un samedi comme ci, comme ça, une émission matinale qui passe le soir, puisque c'est aussi ça la magie du direct. Alors, je ne vous présente plus Capucine. Bonsoir Capucine. Capucine, oh ben oui, vous la connaissez. Capucine qui est un petit peu ma confidente, ma compagne de toujours, ma sœur, ma copine, ma double, enfin bref, une très très bonne amie. Donc Capucine, à toi. Bonsoir à vous tous qui nous regardez dans cette petite lucarne rectangulaire que l'on appelle télévision française. Oui, parce que nous sommes en France. Eh bien oui, puis en Espagne, elle s'appelle télévision espagnole, au Portugal, télévision portugaise, en Irlande, télévision irlandaise, au Canada, bien sûr, télévision Capucine. Canadienne. Donc nous allons peut-être pouvoir tout de suite accueillir notre invité, Capucine. Et notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est Chantal Lobby. Chantal. Oui, on peut l'applaudir. Chantal,
Lobby, donc, du groupe comique Les Inconnus. Est-ce que vous... Non, pas tout à fait. Non, Florinette, je voulais dire les nuls. C'est un petit peu comme je dirais. Ma feuille, ma langue qui a fourché, quoi. Bon, alors, Chantal, vous êtes là pour nous accompagner tout au long de cette émission. Et puis, vous allez pouvoir réagir à nos diverses rubriques. Oui. Commençons par la rubrique numéro 1, beauté. Alors, êtes-vous pour ou contre les baleines dans la pommade, Florineige? Je suis contre. Chantal? Oui, je suis contre aussi parce que je pense que les baleines dans la pommade, c'est un petit peu comme les éléphants dans le yaourt. Pour faire les courses, ça nique un peu le dos, quoi. Ah, merveilleux. Donc, nous allons passer tout de suite à la rubrique numéro 2, la rubrique santé. An apple a day keeps the doctor away. Capucine est totalement bilingue. Elle veut simplement dire par ce petit proverbe dans la langue de Shakespeare, eh bien, prenez une pomme chaque matin et de docteur, vous ne verrez point. Voilà, c'est un petit peu le conseil du jour. Donc, mangez des pommes. Voilà. Donc, maintenant, il est temps de passer à notre rubrique numéro 3, la rubrique déco. Joli. Très joli. Très beau. Bon, alors maintenant, on peut enchaîner sur la rubrique numéro 4, oui. Celle de Florineige. Donc, c'est la rubrique mascotte. Eh bien, pour cette rubrique mascotte, nous voulions vous présenter un petit peu notre nouvelle mascotte, tout Capucine, à fait, oui. Qui est Hubert le poisson. Hubert ? Oh mon Dieu. Mon Dieu, il est mort. Oh mon Dieu, il est mort. Excusez-nous, Florineige. Vous êtes en train d'assister en direct sur votre télévision française à un drame, oui. Parce que figurez-vous que c'est la troisième mascotte que nous perdons en une semaine. Je voudrais pas m'avancer, mais je crois savoir pourquoi. Parce qu'il y a des projecteurs, les projecteurs chauffent l'eau et le cœur du poisson lâche. Quelle horreur. C'est ça. Florineige, tu veux rentrer? Non, ça va aller. On peut te raccompagner. Non, ça va, je vais m'en sortir. Je peux vous aider peut-être. Non, vous êtes gentil, vous êtes très très gentil, Capucine, et vous. Mais vraiment, non, ça va aller, vraiment, ça y est, là, c'est fini. Poilot, zizi. Vraiment, on voit que vous êtes une comique. Bah, oui, je suis payée pour ça. Alors, donc, c'est quand même très gentil de remonter le moral de ma petite Florineige. C'est vrai, parce que même dans un jour comme ça, où c'est un petit peu un jour noir pour l'émission, je rappelle à ceux qui prennent l'antenne à l'instant, de un samedi comme ci, comme ça, que nous venons de perdre notre petit poisson Hubert, notre mascotte qui vient de décéder. Et voilà, donc ça va aller maintenant. Ce que je peux faire, Florineige, peut-être me permettre de lancer un appel. Oui. Si vous le voulez. Lancer un appel à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont ce soir témoins du malheur qui frappe ce studio. À vous qui vous dites, je suis heureux, chez moi, bien au chaud, devant votre poste de télévision. Télévision française. Parce que nous sommes en France. Parce que nous sommes en France. Exactement. Alors, à vous tous, je voudrais présenter ce merveilleux ouvrage. Oui. Les livres, les nuls. Le livre, les nuls. Alors voilà, le livre, les nuls, vous pouvez l'obtenir en envoyant tout simplement un poisson à Florineige. C'est un livre drôle, cocasse, à se tordre de rire et à pisser dans sa culotte, croyez-moi. Quelle merveille. Tellement formidable. Eh bien, voyons voir, Chantal, si les téléspectateurs français réagissent à votre appel. Il est 22h13. Et est-ce que nous avons des appels? Déjà 24 poissons de données, c'est merveilleux. Regardez, quel élan de générosité, quelle merveille. 36 mascottes, 52. Oh, vraiment, c'est touchant, n'est-ce pas? Et 87, eh bien, nous sommes en direct depuis le duplex de Monsieur Jean-Marc. Jean-Marc? Non, je ne suis pas actuellement dans mon duplex, mais en bas de chez moi, devant une poissonnerie. Ici, c'est la folie, les poissons arrivent de toutes parts. Madame Chapuis de Bretz, qui nous envoie 34 poissons. Et oui, 34 Capucines, et puis les retraités de la SNCF qui nous envoient 20 poissons. C'est extraordinaire ici, on s'échange comme des fous le livre des nuls, excellent livre des nuls, contre des poissons. Je suis un peu coincé par le fil, enfin c'est le direct, c'est la folie ici. À vous, Capucine, je remonte dans mon duplex. Quel incroyable don de poissons, effectivement, Jean-Marc. Nous sommes déjà à 8463 poissons. Je crois que nous allons battre le record de l'année dernière. C'est merveilleux. Il faut continuer. Ça sent jusqu'ici. Hein. Oh, c'est formidable. Bon, ben, je crois qu'on peut remontrer le livre. Avec plaisir. C'est magnifique. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout cet élan de générosité, ce livre qui a tout lancé. Tout livre, c'est merveilleux. Je suis tellement émue. Alors, si on regardait un petit passage du livre, peut-être. Avec plaisir, je veux bien. Il y en a une très drôle. En fait, moi, j'aime beaucoup personnellement. Vous êtes petit, rondouillard, plutôt mou et poilu. La NPE vous propose de devenir couillot père. J'adore. Oh, bien, là, génial. Nous voilà arrivés à.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission exceptionnelle d'un samedi comme ci, comme ça. Et Florina, j'ai rien à rajouter? Non, encore merci pour les poissons et simplement continuez. Et surtout, n'oubliez pas les bocaux. Voilà, merci. Merci Chantal. Merci. Buy a whole pack of beer, McFly. What do we do? What do we do now? Well, listen to me. We can go into the future to buy it, but they close in 10 minutes. 10 minutes? Yes. Yes, I know this is your birthday party, but we can buy it here. We can buy it here. No, McFly, no. It's cheaper in the future. Let's go. We only got 9 minutes left. Come on. Come on, McFly. Come on, McFly! Let's go! To the future! Retour vers le futur du subjonctif. Vous le verrez rassier bientôt. PPDR, on lui envoie chez lui ou au studio, Charlie? PPDR, on lui envoie chez lui ou au studio? Chez lui. Et donc... Et Bernard Rapp, c'est ex-libris ou apostrophe? Je sais pas, je m'enseigne, hein, d'accord? Ah, oui. Oh, Dominique, t'es là, faut que tu m'aides. Écoute, Alain et Chantal se préparent pour l'édition. Je veux savoir, tu sais, le premier texte à la deuxième phrase. Hé, hey, Dominique, dis-moi, il faut que je la fasse timide? Agressive, comment je la fais? Merde, Dominique, dis-moi! Oh, c'est pas vrai! Oh, puis merde, j'en ai rien à foutre! Si ça leur plaît pas, c'est le même prix! Car nous ne sommes pas. Le sucre. Le sucre. Le sucre, une histoire d'amour. Moi, j'aime bien les rousses. Le sucre, une histoire d'amour avec des poils. Mais bien poilu alors! Bien poilu. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bernard remplacé par Bernard. C'est la valse de Bernard sur Antenne 2. En effet, Bernard Pivot a été remplacé par Bernard Rapp, qui vient d'être remplacé par Bernard Montiel. Un grand tournant donc pour l'émission littéraire au service public, qui au passage change de titre et s'appellera dorénavant Apostrophe est à vous. Au sommaire, Nicolas pour l'intégrale de Placide et Mozo, Les Nuls pour Les Nuls, le livre, et Fame, un livre qui retrace l'histoire du feuilleton avec plein de belles images à colorier. Apostrophe est à vous, Bernard Montiel, votre nouveau rendez-vous culture. Tout de suite, et comme promis, Véronique Sanson et le groupe en direct live, Le Désir. Oh. Excellente soirée à tous. Tout petit, tout nu, trouvez-moi le nombre d'or.
y a quelque chose en moi, sans foi ni loi, qui m'épouvante parfois. Ah, 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 ah. Et même si quelquefois, ça coûte tant de le dire, ça coûte tant de le faire, et ça peut prendre un sourire qui nous mène en enfer. Précisément ça, et qui peut lever l'enfer. Et on se sent tout petit, tout petit, tout nu. Trouvez-moi le nombre d'or. De la France parce que c'est le pays du soleil. Moi, Catherine Mamel, je vous vendre des maisons à moindre prix. Mes maisons, je les fabrique comme ça. Allô? Ici Catherine Mamel, une femme promoteur. Oui, je voudrais des maisons pas chères. Oui, j'ai des clients. Comme hier. Oui, j'attends. J'attends. Les maisons, elles sont merveilleuses. Elles ont des fenêtres, des murs, de la lavande tout plein. Oui, allô, ici Catherine Mamel, une femme promoteur. Ah, formidable. Eh bien, il y en a plein. Vous voyez, vous pouvez me faire confiance. Moi, Catherine Mamel, une femme promoteur, je peux vous trouver un petit coin de paradis en 2 minutes. Catherine Mamel, une femme promoteur qui a le téléphone. Et qui sait s'en servir. Et
Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Nous l'avons appris dans l'après-midi, juste en revenant de manger, cette incroyable nouvelle. Jean-Paul Sartre n'est pas mort, il vit actuellement dans le Cantal. Merci Maurice pour cette nouvelle, merci aussi pour le petit verre d'alcool. C'est rien, ça m'a fait plaisir. Toute l'actualité de la semaine en images, bien sûr, on commence par le dimanche. Dimanche, bons usages. Quand vous voyez un sapin, faites-lui le baise-main avant de lui caresser les couilles, c'est plus poli. Manipulation génétique, ça avance. Regardez plutôt cet homme, sa trompe commence à pousser. Et dans quelques jours, si tout va bien, on verra peut-être apparaître les défenses. Enfin, sondage, un homme sur deux fume des joints au boulot. Quelle pitié. Et puis dimanche, c'était Auxerre-Marseille à l'heure de la rediff, juste à 17h. Mmh. Et comme le football, moi, ça m'en touche une sans bouger l'autre, Maurice, je vous laisse faire. Merci, cela dit, j'y connais pas grand-chose non plus. En résumé, voici ce match, donc Auxerre-Marseille. Regardez, voici Caisse Noire qui cherche et qui va trouver 1 000 000 de francs sous la table, qui passe à fausse facture, qui tire et garde à vue chez les flics, qui se fait encaisser son premier but. Regardez, garde à vue chez les flics qui est complètement... Oh là là, c'est magnifique, les supporters sont littéralement submergés, la joie se lit sur ses visages. Là, c'est Tigana, on reconnaît de toute façon même le... Ouais. Merci. Lundi toujours. Lundi, un nouveau venu dans le monde fantastique du livre des records. Pénélope, un Américain de 54 ans aurait chié une merde de 54 mètres. Et je sais, Maurice, ça peut sembler énorme. Il est arrivé premier devant un Américain de 52 ans, qui en a chié une de 52 mètres, et un Turc qui en a fait une, lui, de 49 mètres. Alors, vous n'avez pas dit l'âge du Turc. 49 ans. 49. Et je rappelle que ce concours, bien sûr, était organisé par l'association de ceux qui chient long comme leur âge. Merci, Pénélope. Le mardi. Mardi, un pigeon qui vole. Mardi toujours, un type devant une porte... mardi, enfin, des chaises et la moquette, et puis une belle avec des guichets. Donc une petite journée, hein, mardi. C'est toujours ça, les petites journées le mardi, en principe, Maurice, y a pas de changement. Ouais. Mercredi, Venise s'enfonce. Venise s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'eau. Il faut sauver Venise, et pour cela... Envoyez de l'argent, envoyez des sous. En fait, Maurice, puisqu'on parle d'argent, vous avez pensé à mes 400 francs, vous me les devez. Non, enfin, je suis en train de... Vous me les devez plus à moi, quand même. Envoyez au moins 400 francs à cette adresse. Vite, il faut sauver Venise. Des images terribles. Mercredi, et en bref, grève à FR3, Maurice, ça dure. Eh oui, pourvu que ça dure. Et puis, il faut signaler que le malheur s'acharne sur les protagonistes de l'affaire Villemain. En effet, le juge Martin a crevé. Il est crevé. Bon, le juge Martin a crevé un pneu en sortant de son garage. Grosse journée, hein, le mercredi. Oui, c'est toujours comme ça, le mercredi, c'est toujours chargé. Alors, pour se reposer un petit peu, on marque une pause. Comme pour l'alcool et les cigarettes, la publicité pour les livres... est interdite à la télévision. Alors ? Les nuls, le livre, allumette. Une pochette d'allumettes, ça fait toujours plaisir. Jeudi, ils sont heureux, vous allez les voir. Ils ont sablé le champagne. Ils n'en revenaient pas d'être là. La joie se lit sur le visage de ces hommes et de ces femmes. Des images réjouissantes de cette arrivée à l'aéroport. C'est vrai que c'est la première fois depuis 6 mois qu'un avion d'Air Inter arrive à l'heure. Très belles images. Et puis je dis toujours, Pénélope. Oui, souvenez-vous, les petits-enfants roumains abandonnés dans des asiles sans soins, sans de quoi manger, sans rien. On nous en a parlé 2 jours durant la semaine dernière, et puis plus rien. Si on n'en parle plus, Pénélope, c'est que tout est arrangé. C'est simple. Oui. Je veux dire, c'est allé si vite, on a eu à peine le temps d'envoyer des sous, et hop, c'était déjà fini. En tout cas, merci la télé. Merci à la télé. Vendredi.
Vendredi, c'était le championnat du monde des mecs super soigneux. Regardez cette équipe qui frotte derrière l'aspirateur télécommandé. Michael Hasselborg, l'homme le plus appliqué du monde, va-t-il être aussi soigneux qu'à son habitude? Regardez comme il l'attrape. Oh oui, c'est joli, du travail très très soigné. Bravo Michael Hasselborg. Très bien, le skip. Super. Magnifique. Vendredi toujours, et une bonne nouvelle, Maurice, puisque désormais les cartes oranges se vendront par quartier. Ah, bonne nouvelle donc. Passons au samedi. Samedi, et en bref, Bernard Kouchner a apporté du lait aux bébés soviétiques. 20 000 containers et 300 wagons. Aux dernières nouvelles, Ukraine t'aurait très mal au sein. Et puis, en bref, toujours, l'homosexuel, le plus grand du monde s'est empalé sur un hôtel Mercure. Et alors ? Il avait 38,8. Oh. L'image de la semaine, Pénélope. Eh bien, l'image de la semaine, Maurice, c'était cet après-midi. Regardez. Et oui, Lech Walesa est venu rendre visite à Les Nuls l'émission. Vous reconnaissez les bandes jaunes et noires bien caractéristiques. Il a salué au passage toute l'équipe, Mamar, Claude, tout ça. Pas fier, le Lech. Il a même salué, regardez bien, Gabrielle Lazur, déjà prête pour le prochain sketch, méconnaissable. Un petit coup de chapeau quand même à nos maquilleurs. C'est vrai qu'ils ont fait un beau travail. Regardez Gabrielle, ah ouais, quand même. On la reconnaît c'est à peine. C'est incroyable. En tout cas, bravo. Et bravo surtout à vous, Pénélope. À moi et puis à toute l'équipe, parce que c'est vrai, je ne le rappellerai pas, ce n'est pas un métier que nous exerçons, c'est plus un sacerdoce. Prochaine édition, prochaine émission, merci à tous, bonsoir. Comme pour l'alcool et les cigarettes, la publicité pour les livres est interdite à la télévision. Alors... Les nuls le livre, allumette boîte familiale. Mais si vous avez une petite famille nombreuse, rien ne vous interdit d'en acheter plusieurs des boîtes familiales. C'est extra. Alain ! Dominique ! Chanchon ! Hé, les nuls ! Où êtes-vous ? Alain ! Dominique ! Putain, merde, mais c'est pas drôle, hein ? C'est pas le moment de jouer à hide and seek. C'est pas vrai. Et t'as pas vu les nuls ? Si, si, ils sont partis dédicacer leurs bouquins, là, sur les champs, je crois. Bouquins, c'est pas vrai. C'est noir de monde. Ça marche super. I can't believe that I chose the wrong fucking day. Un best-seller. Et moi ? C'est mieux que celui de Zer. C'est des claps. They're fucking gone. Comme pour l'alcool et le tabac, la publicité pour les livres est interdite à la télévision. Alors, les nuls le livre, briquet. Et puis quand on a une bibliothèque, on a forcément besoin d'un briquet. Moumoune. Oui. Ce soir, t'as pas envie de... De quoi? Eh ben là, tu vois ce que je veux dire. Non. Mais si... Non. Enfin. Hein? Quoi? Que peux de... Hein? Non, ce soir, je peux pas. T'as mal à la tête encore ou quoi? Mais non, j'ai mes ragnoutes. C'est quoi? Mais Ragnout, les Anglais ont débarqué. Encore? Mais ça fait 30 ans que les Anglais débarquent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu leur fais une aide au rapatriement ou quoi? C'est tellement drôle que j'ai oublié de rire. Bonne nuit. Ouais, c'est ça, bonne nuit. Moi, je vais continuer mes travaux sur la recherche nucléaire. Tiens, voilà ce que je vais faire sur le canon. Albert, élevé au Ragnagna. Tu sens? Non. Tu sens rien? Hein? Non, mais je dis, tu sens vraiment rien, hein? Non. Kenzo. Ça sent Zob. Gabriel et Dominique, merci. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous savez que c'est maintenant l'heure de notre grand tirage au sort. Alors, j'ai ce petit chapeau avec des numéros dedans. Les messieurs ont donc eu un numéro. Je vais en tirer un au hasard, n'importe lequel. Voilà.
C'est le numéro 52. Le numéro 52. Est-ce que le numéro 52 pourrait se désigner s'il y a un numéro 52 dans la salle? Numéro 52. Une fois. Ah! Le numéro 52, applaudissez-le quand même, encouragez-le. Je vous montre bien, c'est bien le numéro 52. Donc, vous avez été désigné pour. Et vous avez gagné d'ailleurs à ce jeu. Qui c'est qui fait la speakerine? C'est Bibi. Eh bien, voilà donc le micro, je vais vous le mettre. Voilà. N'inquiétez pas, je vous dis. Très bien. Merci, bah oui. Voilà le texte. Alors, vous mettez de légers trois quarts. Vous regardez la caméra. Faites ça très sérieusement. Vous inquiétez pas. Vous ne vous laissez pas impressionner. Souriant, vous y croyez. Vous ne jouez pas une speakerine, vous êtes une speakerine. Allez-y. Madame, mademoiselle, bonsoir. Je suis très heureuse et émue d'avoir gagné au jeu. Qui c'est qui fait la speakerine? La speakerine, oui. C'est Bibi. Je signale à ma famille et à mes voisins que c'est facile de se moquer. Et que je viendrai vous y voir. Tout de suite, le deuxième titre en direct live est Véronique Sanson. Et le groupe intitulé Faulted Frog. Excellente soirée à toutes et à tous. Bravo, bravo. Et là, vous avez fait un formidable. Livres à votre domicile sous 48 heures chrono, sinon vous n'êtes pas remboursé. Ouais, c'est ça. Je vous rappelle que pour 3 livres achetés, il y a un livre gratos de Gouriou, Les Brèves de Comptoir. Ouais, ouais, salut. Oh, écoute, Gabriel, moi je m'en sors pas de ces commandes. Et qu'en plus, on va être en rupture de stock. J'en ai marre. Pfff.
Bah écoute, tant mieux, on va pouvoir se reposer au moins. Oh, c'est pas un cadeau cette émission non plus. Écoute, regarde, je veux dire, tu donnes tout. Tu donnes tout de ta personne. Vraiment, pas un bonjour, pas un merci. Mais bonjour l'ambiance. Écoute, c'est pas grave, Véronique, c'est bientôt fini, hein. Oui. Courage. Oui, allô? 10 livres, oui. Oui, dédicacé, c'est ça. Quoi, des pantalons? Oui. 3 pantalons. Quelle taille, monsieur? Et votre adresse? Dans Rambo, il se battait pour sauver sa vie. Dans Rambo 2, c'était sa plus dure mission. Mais tout ça, c'était du gâteau à côté de ce qui l'attend dans Rambo 3. Sept de nos petits gars sont détenus en otage par ces fumiers d'Iraniens. Tu dois leur botter le cul. Aux otages? Non, aux Iraniens. Des Iraniens détiennent en otage des Américains. Tu es Américain. Tu dois leur botter le cul. Mais non, les sauver. Imagine, tu es un otage américain. Tu sais pertinemment que ton pays va pas te laisser tomber. Hein? Ok? Ouais. Ok. Bon, imagine toujours. Un môme le matin, chez nous, aux États-Unis. Hein, il s'en va jouer au baseball. Sa mère, le soir, vient le rechercher et lui amène un otage. Un sandwich, bordel de merde! Jamais une mère américaine va laisser son môme sans sandwich! Ok. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on va leur mettre aux Iraniens sur la gueule? Des sandwichs! Ok. Ok. Je vais bien t'expliquer. Je peux plus, là. Laisse tomber, on va envoyer Schwarzenegger. Tu veux que j'envoie Schwarzenegger? Oh non, surtout pas lui! Tu veux que j'envoie Schwarzenegger? Non! Chef, je pourrais tout de même avoir un petit bout de pizza, j'ai faim. Tu boufferas quand t'auras tout compris! De calme, sergent. Rambo, les Iraniens, qu'est-ce qu'on en fait? Des sandwichs? Toi, moi, toi, Rambo, trois. Eh ben c'est bon, il a déjà le titre. Moi. Rambo 3, ce film ne sortira que quand il aura compris. Bien, mademoiselle, tout ce qui va être dit maintenant sera consigné dans une déposition par mon adjoint, l'inspecteur Salcugra. Georges. Seyez-vous, je vous en prie. Voilà. Je suis le lieutenant Kowalski et vous êtes? Sabine Morlette. Morlette, ça s'écrit comment? Pas comme une morlette, voyons, vous voulez que je vous l'épelle? Non, je sais ce que c'est qu'une morlette. Bon, bien, je vous écoute, mademoiselle Morlette. Ben voilà. Je suis allée juste échanger mon poisson rouge contre un livre des nuls suite à une émission de télé, et puis... Ping! La déposition de mademoiselle Morlette est très importante pour la compréhension du récit. Donc, mademoiselle Morlette, c'est elle. Je sais que ceux qui sont au fond ne voient pas bien mademoiselle Morlette. Donc, pour qu'on la voie mieux, mademoiselle Morlette, c'est elle. Ouais. Un petit peu... pas évident, mais... Voilà. Donc, mademoiselle Morlette, la tache rouge, c'est elle. Continuez, mademoiselle Morlette. Ben voilà, inspecteur. Écoutez, je me promenais tranquillement dans la rue et soudain, j'ai été victime d'un ravisseur. Voilà, je me promenais tranquillement dans la rue et puis, un ravisseur m'a violée. On
On me signale que quand Mademoiselle Morlette met son visage dans les mains, on ne voit plus le nez rouge, donc on ne voit plus la tache. Donc pour ceux qui sont au fond aussi, Mademoiselle Morlette, donc c'est elle, j'espère que vous la verrez mieux comme ça. Voilà. Ping. Bon, comment cela s'est-il passé, Mademoiselle Morlette? Mais d'abord, il m'a fait monter dans sa voiture. Vous avez pu relever le numéro d'immatriculation, au moins, non? Bah oui, j'ai noté sur un papier, voyons. C'est 46 50 CL 64. Mais figurez-vous qu'il m'a surpris. Oh. Alors j'ai été obligée de le manger. Oh, je rêve. Vous avez mangé le papier. Mademoiselle, note le 46... Attendez, sale cul grave. Georges. Mademoiselle, note le 46, 56, 75 et mademoiselle mange le papier. Oh, mais comment on va le retrouver, ce putain de papier? C'est bien les gonzesses, ça. Oh. Dites-moi, sale cul grave, vous avez pu analyser les selles de mademoiselle Morlette? Georges. Oui, bien sûr, commissaire. Ils ont analysé les selles et n'a pas mangé que des pommes vertes en plus, hein, parce qu'au... En plus, au labo, vous voyez, ils étaient tout retournés. Regardez, c'est tout là, vous voyez. Alors, et mademoiselle Morlette, écoutez, nous avons retrouvé, je vous le donne dans l'ordre, hein, des traces de céleri rémoulade, de la purée de lentilles, du caprice des dieux, du confit de cerise, un café. Autre chose? Ah non, merci, l'addition, s'il vous plaît. Ping. Excusez-moi, ça n'a... Bon, ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'enquête, mais j'ai une amie qui est chanteuse et qui se débrouille pas mal, d'ailleurs. Bon, comme je sais que l'émission est regardée par les professionnels, je me demandais... Hula, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Elle se débrouille pas mal. Hula, est-ce que tu peux montrer un petit peu ce que tu sais faire? Étienne, tiens bien, baiser salé, sali. Okay, super, là, vas-y, je te rejoins tout à l'heure. Super. Donc, hein, voilà. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un, s'adresse à moi directement, d'accord? Bing. Bon, mademoiselle Morlette, ce ravisseur, vous pouvez me le décrire? J'avais les yeux bandés. Non, mais avant qu'il vous kidnappe, vous n'aviez pas les yeux bandés. Vous baladez quand même pas dans la rue les yeux bandés, si? Ah oui. Écoutez... Je sais pas ce qui me fait dire ça, mademoiselle Morlette. Mais plus je vous regarde, plus j'ai du mal à vous prendre au sérieux. Ping. Excusez-moi. Je voudrais juste dire deux, trois trucs. D'abord, elle a chanté en direct. Ce qui est quand même pas évident, parce qu'il y a quand même pas mal de playback, donc elle a quand même fait ça en direct. Deuxièmement, elle connaissait pas bien les paroles. Troisièmement, c'est assez facile de se moquer. Si vous voulez tuer un talent dans l'œuf, vraiment c'était la meilleure, alors vraiment le meilleur moyen. Merci les mecs, beaucoup, ding. Écoutez, mademoiselle Morlette, nous venons d'interpeller 4 personnes qui correspondent absolument à votre signalement. Alors, un seul type est coupable, les 3 autres ont été pris au hasard. Ce que je vous demande, mademoiselle Morlette, c'est de nous dire quel est le juste prix, d'accord? Sale cul gras, vous pouvez ouvrir. Georges. Facile, merde, Georges. Voilà. Mademoiselle Morlette, ceci est une glace sans teint. Ah! Vous effrayez pas, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Morlette, ils ne peuvent pas vous voir. Mais je m'inquiète bien, je viens juste de me souvenir que j'ai oublié d'éteindre le gaz avant de venir. Oh, c'est pas vrai. Bon, mademoiselle Morlette, voilà. 4 hommes ici, 4 agresseurs. Allez-y, lequel? Il faut choisir. Bah oui. Mais ils sont tous bien, écoutez. Le numéro 1, il est super macho, hein. Et sexy, hein. Puis numéro 2, il a l'air timide et il est sensible. Numéro 3, il a une super quéquette. Numéro 4, ben, c'est un sportif, hein. Allez, il faut choisir. Mais j'hésite, hein. Bah oui, mais bon. Voilà, le cycliste. Et non, mademoiselle Morlette, c'était un piège. Le cycliste était une femme. Et jamais une femme n'a violé une autre femme. Tu as menti, Sabine. Non. Tu as menti dans la télévision. Non. Venez m'aider les filles. Allez. Et touchez pas au frisbee. Touchez pas au frisbee, un grand film nul avec une chute à la con.
nous sommes les refuseurs. Oui, entrez. Non. Pardon ? Nous refusons d'entrer. Pourquoi ? Nous refusons de vous le dire. Bon, mais écoutez, cassez-vous. Hein. Nous refusons de partir. Nous sommes les refuseurs. Les refuseurs, avec Roy Pinnus dans le rôle de Avid Vincent. Les refuseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, on n'en sait rien, ils ont refusé de nous le dire. Avid Vincent les a vus, et il doit maintenant convaincre un monde incrédule qui refuse de le croire que les refuseurs sont là et que le cauchemar a déjà commencé. Je refuse de bouger. Cynthia, j'ai besoin de ta réponse. Non, je refuse de t'épouser. Mais enfin, combien pouvez-vous faire d'épisodes avec des types qui passent leur temps à tout refuser ? Je refuse de vous le dire. Les refuseurs, le feuilleton que le monde entier a refusé de voir. Eh ben moi, je refuse de terminer l'émission parce que c'est trop bon. Mais alors, moi je fais où on me dit de faire. Alors je dis musique. Non, nous refusons de jouer. C'était Les Nuls, l'émission numéro 10. Voluptueuse, talentueuse, somptueuse, onctueuse et bilingue, Gabrielle Lazur. Et avec la belle, voluptueuse, talentueuse, somptueuse, onctueuse et également bilingue, Véronique Sanson, car Véronique Sanson elle aussi est bilingue. La semaine prochaine, de même que vous avez admiré Les Nuls, l'émission numéro 10, vous ne manquerez pas Les Nuls, l'émission numéro 11, avec Daniel Gélin et en direct live, l'affaire Louis Trio. Comme chaque semaine, la voix off vous souhaite une excellente fin de soirée.